Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la thématique de la souveraineté sur les ressources naturelles et la sécurité énergétique. La notion de souveraineté est aujourd'hui plus que jamais une condition de survie pour nos sociétés et nos économies. Cette souveraineté doit avant tout être énergétique, plus que jamais indispensable dans le contexte géopolitique actuel, marqué par le retour des rapports de force, le choc des puissances et l'hégémonie de certains pays occidentaux. L'Algérie a un rôle fondamental dans les discussions qui seront engagées dans ce sens lors du sommet des pays exportateurs de gaz, des questions que nous allons développer en compagnie de nos experts. J'ai tout d'abord le plaisir d'avoir avec moi Dr Shoaib Botamin, spécialiste et consultant en questions énergétiques. Bonjour. Bonjour. Nous aurons au bout du fil, à partir de Paris, Monsieur Gamal Abina, journaliste et spécialiste en questions géopolitiques. Bonjour. Bonjour. Nous aurons aussi Monsieur Docteur Omar Benbarti, analyste politique et professeur à l'Université d'Oran. Bonjour. Bonjour, cher ami. Donc, tout de suite dans le vif du sujet, messieurs, je commence par vous, docteur Botamin. Alors, les principaux enjeux de ce forum des pays exportateurs du gaz s'articulent autour de la problématique de la sécurité énergétique et la souveraineté. Qu'en est-il selon vous de cette corrélation sécurité énergétique et souveraineté? Je crois que ce sommet-là a une importance très, a un rôle très important. Pourquoi? Parce que si on voit le dernier sommet, sixième sommet, qui a eu lieu le 22 février 2022, c'était déroulé au Qatar. Deux jours après, il y avait le déclenchement de la guerre en Ukraine. Deux jours seulement après. Le 7 octobre dernier, on a eu une autre guerre qui a pris aussi. Qui est devenu un enjeu très majeur géopolitique. Alors, pendant deux ans, entre le dernier sommet et celui-là qui se tiendra sur Alger, on a eu deux challenges, deux défis majeurs, deux guerres, d'accord? Une en Europe, la deuxième entre l'Afrique et l'Asie. Si on parle maintenant, de la sécurité des installations, on parle aussi de ces enjeux. J'aimerais bien insister sur une chose qui est très importante, qui est le monopole des pays du multinational dans les pays du Sud, dans la région du Sud. Et on voit l'importance et l'impact de ces pays, de ces multinationales, sur le marché gazier et pétrolier mondial, apparemment les ressources naturelles. Alors, si on revient directement, si on parle maintenant du monopole des multinationales. Je parle, il y a pas mal de sociétés dans le monde. Je parle Eni, Total Energy, Chevron, ExxonMobil, BP. Il y a pas mal de sociétés multinationales qui agissent d'une manière directe ou indirecte pour absorber les ressources naturelles. Beaucoup plus dans les pays qui sont en voie de développement. Je parle de beaucoup plus d'Afrique, d'Asie. Alors, c'est des challenges énormes. Alors, ces multinationales-là qui dominent le marché, le monopole pétrolier et gazier dans ces pays-là. Je vous donne un exemple. L'Angola, 75% des parts de marché du secteur pétrolier et gazier en Angola est monopolisé par les multinationales. D'accord. Alors, ce monopole-là ne s'arrête pas dans l'extraction du pétrole et gaz. Il est aussi dans le transport. Et je vous donne un exemple. Dans le transport du pétrole et du gaz, on est bien d'accord qu'après le déclenchement de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y avait des sanctions qui sont imposées contre la Russie. Contre quoi? Contre la Russie, contre les navires qui transportaient le pétrole russe et le gaz russe. Alors, les multinationales qui assurent, ou les banques, les institutions financières, des sociétés aussi qui assurent le transport, alors le monopole les transformer directement de l'extraction au transport. Si on parle de transport maritime, on parle aussi de transport par canalisation. Et je vous donne un exemple. Fin 2022, il y avait le sabotage du Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Alors, le Nord Stream 1, qui transportait 55 milliards de mètres cubes par an, le Nord Stream 2, qui a été pris pour aussi livrer 55 milliards de mètres cubes,
avec un investissement de 10 milliards de mètres cubes, mais n'a pas connu le jour. Alors maintenant, alors vous avez le transport déjà qui est déjà monopolisé, il y a des risques majeurs. Je pense au sein de GECF, c'est un point très très important cette fois-ci, c'est que il faut concentrer sur la protection des installations ou assurer une smoothness, avoir des livraisons souples, assurer des livraisons assurées aux consommateurs. Et je cite dans ce cas-là aussi, je cite Bab el-Mandeb ici, où les navires, ou les vaisseaux vessels, les navires qui transportent le LNG, qui changent d'itinéraire, ils passent au Good Hope, d'accord, et ils perdent entre 12 à 15 jours. Je parle par exemple du Qatar. Alors ces navires qui passent pas à travers le Red Sea maintenant, la mer Rouge, et il y a, comme vous savez, le Qatar qui assure 25% de ces livraisons de LNG vers l'Union européenne. Mmh. Alors, on ne s'arrête pas là. Il y a un autre souci. Alors, une fois le pétrole et gaz est transporté, est arrivé et recevu par les consommateurs, je parle beaucoup plus des pays africains, par exemple l'Angola, au Nigeria, ou même l'Algérie. L'Angola, elle exporte déjà le pétrole de son état brut, mais elle importe 80% de ses besoins dérivés de pétrole. Alors, malgré qu'elle exporte, elle importe. Pourquoi cette différence? Pourquoi on exporte ou puis on importe? Le grand problème là, c'est le monopole technologique. Alors, les sociétés pétrolières, eux, les pays occidentaux, maintiennent la technologie. Comment ils maintiennent la technologie? Parce que pour fabriquer des dérivés du gaz ou du pétrole, en pétrochimie, on l'appelle pétrochimie d'un générique, ou pour extraire des engrais comme l'urea ou l'ammoniac du gaz naturel, ces pays sous-développés n'ont pas de la technologie. Alors ils ont besoin, société étrangère ou multinationale, pour importer ces produits. Alors c'est un problème majeur, j'imagine, et dans le GECF, cette fois-ci, il y aura des challenges, il y aura des défis énormes. Je crois que supply chain sera vraiment discuté, ce qu'on appelle supply disruption, c'est un problème majeur, j'imagine. Et si on voit les prix maintenant du gaz, en août juillet 2022, le prix du gaz naturel au pays de l'Union européenne, au TTF, au marché TTF, a atteint les 350 € le mégawatt hour. Mmh. Aujourd'hui, il y a 24 € le mégawatt hour. Il a perdu 5 fois sa valeur au bout de non pas 12 ans. Alors, c'est ça la question. Alors, si on parle du GECF, ils doivent discuter ce point. Il faut avoir une stabilité des prix. Si on dit stabilité des prix, il faut agir, il faut trouver des solutions, il faut arriver à un compromis pour contrôler le marché gazier mondial. Monsieur Gamal Abina, vous êtes d'accord, bien sûr, qu'aujourd'hui, à la lumière des fluctuations sur le plan géopolitique à l'international, nous sommes en train de vivre ce qu'on pourrait appeler un grand jeu de l'énergie. Donc cela devient un instrument de pouvoir, de chantage, d'expansionnisme ou de conquête même. Donc est-ce que la sécurité énergétique aujourd'hui est un enjeu majeur de souveraineté et d'indépendance pour les États? Tout à fait. Alors, j'allais dire, c'est pas nous sommes en train de vivre aujourd'hui, puisque c'est une question qui s'est posée depuis le siècle dernier, depuis les premières exploitations d'abord de pétrole, puisque c'était les Américains et les Anglais qui étaient à la manœuvre avec les Français derrière. Mais on se rend bien compte que l'énergie, puisque le monde est énergie, parce que tout fonctionne à l'électricité et au gaz, et l'automobile particulièrement, hein, on a besoin de beaucoup de pétrole, de gaz, on a besoin de beaucoup de produits dérivés de du pétrole particulièrement. Donc le monde est énergie. Et effectivement, depuis le siècle dernier, la course à l'énergie a toujours été une véritable obsession de la part de l'Occident, parce qu'on parle de sécurité énergétique, non pas pour le Sud, évidemment, puisque le Sud a jusqu'à présent, avait peu de besoins énergétiques, puisqu'il n'y avait pas d'industrie, parce qu'on était sous contrôle occidental, colonial, et le Nord avait un besoin grandissant d'énergie pour deux raisons. La première, pour garantir
l'alimentation de leur industrie, tout simplement, avec la révolution industrielle. La seconde, pour garantir avec la révolution du transport, l'alimentation en produits, donc je parle d'essence, pour l'automobile, puis plus tard pour les avions. Et la troisième raison, surtout, c'est parce que le Nord étant une zone essentiellement de froid, hein, tout simplement, pour éviter la destruction des forêts totales, avec l'exploitation déjà, la surexploitation du bois et puis du charbon, même si après c'était du minerai de charbon, ils ont eu besoin de cette énergie abondante dans le Sud, et ça garantit à la fois, effectivement, le chauffage, l'énergie pour leurs usines et puis l'énergie simplement pour garantir effectivement dans cette course folle à l'industrialisation cette volonté de dominer le monde. Et on s'en rend bien compte même pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on en parle très peu, mais la course après les puits de pétrole que les nazis ont entamé lorsqu'ils vont envahir l'Est est encore une question énergétique de besoin de se déplacer, donc l'énergie pour le secteur du transport et du transport militaire. Aujourd'hui, cette question de sécurité énergétique, elle intéresse surtout le Nord, puisque le Sud est surabondant en énergie. La sécurité dans le Sud, c'est une question de sécurité par rapport à ces convoitises du Nord. Et on se rend bien compte que les guerres du Moyen-Orient ne sont pas absentes de ce calcul. Que ce soit l'Irak, que ce soit la Syrie, encore une fois, où l'exploitation du pétrole se fait indépendamment de l'État syrien, que ce soit même Gaza aujourd'hui, où effectivement le grand Léviathan, cette immense réserve de gaz partagée entre la Palestine sous occupation, l'Égypte et puis l'antisioniste, n'est pas du tout dénué d'arrière-pensée de la part des sionistes quand ils vont attaquer Gaza. Ouais. Donc la question énergétique est essentielle, la question de l'exploitation de ces énergies, ça a été évoqué par rapport à des firmes qui maîtrisent l'outil d'exploitation, même si aujourd'hui il y a le retard commence à être comblé. On prend l'exemple de l'Algérie, dont la première firme africaine, puisque c'est une des meilleures, la mieux gérée par exemple, c'est la Sonatrach. Eh bien, la Sonatrach fait du parapétrolier, fait de la transformation, a tout un tas d'usines qui permettent de valoriser cette énergie et de ne pas le vendre simplement en brut comme ça, du pétrole brut qu'on exploite pas du tout et dont on ne bénéficie pas. Et bien, tout cela, c'est une question qui est actuellement très importante. On voit bien que les Petronas, par exemple, du côté asiatique, savent exploiter maintenant le pétrole et le gaz. Mais la question qui est posée, c'est est-ce qu'aujourd'hui, sur la question du gaz, qui est une question récente finalement depuis la crise de l'Ukraine, c'est la question du gaz, il ne faudrait pas en arriver vers un OPEP du gaz. Et c'est une question qui va sûrement arriver sur la table des négociations, parce que je pense que de plus en plus de pays sont intéressés par cela. Le Qatar, évidemment, qui est un grand producteur de gaz, l'Algérie, l'Iran et surtout la Russie. Ces pays ont tout intérêt à faire en sorte de contrôler le prix du vente du produit gaz, parce qu'effectivement, il y a des amplitudes extraordinaires depuis la guerre d'Ukraine. On voit que ça a été multiplié par 10, ça s'est effondré. Donc la question du gaz est une question qui est prégnante, parce qu'on a besoin de gaz, parce qu'avec la transition énergétique, avec le besoin de faire moins de pollution, le gaz est une option qui n'est pas inintéressante. Et ces pays ont parfaitement compris que le gaz, essentiellement, se trouve dans le sud, dans la région sud. Professeur Omar Benbarti, vous venez d'écouter nos deux spécialistes sur cette question aujourd'hui de l'enjeu, bien sûr, de la sécurité énergétique et cette relation avec la souveraineté des États. Cela va être un enjeu particulier lors du prochain sommet du gaz. Une question abordée par Gamal Abina, donc l'éventuelle création entre guillemets d'un OPEP du gaz, donc les pays producteurs et exportateurs, donc un minimum de cohésion au sein du Forum des pays exportateurs, la question de savoir si le prochain sommet justement verra la création d'une nouvelle organisation regroupant les pays producteurs et exportateurs à l'image de l'OPEP. Beaucoup d'experts ont fait remarquer que le Forum jusqu'à aujourd'hui ne joue pas le même rôle que l'OPEP ou l'OPEP plus. Tout à fait, ils ont parfaitement raison d'avoir mis l'accent sur cette question. Toujours est-il que l'OPEP a administré la leçon que, effectivement, lorsque les producteurs pouvaient se réunir, ils ont pu agir sur la stabilité, les prix, la disponibilité, etc. Donc, à terme, il serait souhaitable que le Forum du gaz débouche, lui aussi, sur une espèce d'OPEP bis, mais concernant le gaz. Sauf que, à ce niveau-là, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce que le gaz exige une technologie, notre ami ingénieur l'a démontré, beaucoup plus importante que celle du pétrole, et les investissements technologiques ne sont pas onéreux. Je veux dire que ça demande beaucoup de préparation et ça demande beaucoup d'expertise. De ce point de vue-là, les multinationales, effectivement, ont la mainmise un petit peu sur ces aspects, que ce soit pour le transport, l'exploration,
l'utilisation et en particulier les gazoducs et les méthaniers. Donc à partir de ce moment-là, le consensus qu'il va falloir dégager au niveau du forum, du 7e forum qui se tient à Alger, ce sera essayer de convaincre d'abord que la souveraineté des ressources naturelles passe par une domination par les États de leurs ressources, c'est ce qu'a démontré l'Algérie dès 1971, mais toujours est-il que beaucoup d'autres pays qui sont membres de ce forum du gaz ne sont pas détenteurs, si vous voulez, entre guillemets, de leur souveraineté sur les ressources naturelles dont ils sont dotés, que ce soit en pétrole, mais là, on peut toujours faire ce qu'on a fait le Mozambique, ce qu'a expliqué notre ami ingénieur, ils exportent du brut et après ils importent des produits dérivés. Vous parlez de l'Angola. En matière de gaz, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, et donc si l'Algérie arrive à convaincre les pays qui sont membres de ce forum, pour l'instant ils ne sont pas très nombreux, mais et puis il n'existe que depuis une quinzaine d'années, à faire en sorte qu'ils détiennent leur souveraineté, la souveraineté qui est devenue un enjeu stratégique, bien entendu, mais c'est un enjeu stratégique en matière d'énergie depuis le début du siècle dernier, comme l'a si bien démontré Gamal Abina. À partir de ce moment-là, toujours, il y aura lieu peut-être d'espérer un consensus qui soit favorable pour faire en sorte que la fourniture, l'exploration, le transport, la commercialisation du gaz rentre un petit peu dans le cadre de ce qui s'est passé avec l'OPEP. Encore que même l'OPEP, ça n'a pas été évident. Il y a eu deux crises majeures que vous connaissez lorsque l'Arabie Saoudite a décidé d'augmenter et de faire fi de la production, des quotas de production. Donc, en matière de souveraineté, je crois que l'enjeu crucial qui va se jouer en matière de gaz, ça, au plan technique, tout le monde connaît les difficultés, mais l'enjeu crucial qui va se jouer, ce sera comment faire en sorte que les pays, et maintenant il y a de nouveaux pays qui arrivent, la Mauritanie qui a découvert du gaz, le Sénégal, l'Égypte, il y a la Méditerranée orientale avec la guerre en Palestine. Donc, maintenant, il s'agira de trouver une formule, et je pense que l'Algérie a de l'expérience dans ce domaine, trouver une formule pour mobiliser les pays afin qu'ils puissent s'organiser comme le cartel de l'OPEP et faire en sorte que le gaz ne soit plus entre les mains des multinationales. Mais je dis, il y a deux sortes d'enjeux et de défis à relever. Un, les défis technologiques, nous ne les maîtrisons pas, à part quelques sociétés nationales comme la Sonatrach, et les gros investissements que cela exige. Lorsque vous faites un gazoduc transcontinental, vous comprenez aisément que vous allez mettre beaucoup d'argent là-dedans. Deuxièmement, il y a l'appétit féroce et vorace des puissances. Le sabotage de Nord Stream 2 a été évoqué, ainsi que Nord Stream 1. Lorsque les pays puissants sont menacés, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent carrément un gazoduc qui a coûté des milliards, et ils se fichent royalement de savoir ce qui va devenir des populations. Aujourd'hui, l'Europe subit le dictat des États-Unis, et en matière de gaz, bien entendu, ils sont à la traîne. Sauf qu'ils ont pris eux-mêmes la décision de se débarrasser du nucléaire. Et là aussi, il y a une question qui est fondamentale à poser pour les pays du Sud, comme disait Gamal tout à l'heure. Je ne partage pas tout à fait son point de vue. La sécurité, elle est aussi énergétique pour les pays du Sud. Parce que la Mauritanie ou le Sénégal, avant d'aller exporter leur gaz, ils vont devoir électrifier leur pays et apporter le confort à leur pays dans toutes les dimensions qui sont les leurs. Mais il y a des volontés de certains pays de développer de l'énergie nucléaire, des centrales nucléaires. On a entendu le président Ibrahim Traoré évoquer cette question pour le Burkina Faso. Mais là encore, il y a des enjeux qui sont très, 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 très dangereux du point de vue technologique. Monsieur Chahib Ouattamine, donc l'Algérie figure parmi les 5 grands pays producteurs de gaz. Elle a son mot à dire sur cette question. Le professeur Ben Barthi vient d'aborder aussi les pays africains avec les nouveaux venus dans le cercle des pays exportateurs de gaz. On peut citer par exemple le cas du Sénégal ou de la Mauritanie où il y a eu des gisements qui ont été découverts. Ces pays-là peut-être ne maîtrisent pas la technologie nécessaire, n'ont pas les moyens logistiques pour assurer justement l'exportation de leurs ressources. Est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie
pourrait être d'un apport, non seulement en matière de transfert de savoir, de technologie aussi, puisque nous maîtrisons, nous sommes pionniers dans le domaine, mais aussi en matière de transport. Je pense notamment au gazoduc transsaharien, en provenance du Niger, du Nigeria qui passe par le Niger via l'Algérie vers l'Europe, mais aussi par notre flotte de méthaniers. Hein. Nous sommes aussi leaders en matière de gaz naturel liquéfié et dans le transport à travers des méthaniers. Très bien. On peut aider ces pays-là, justement. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, je dois noter une chose qui est très importante. Mm-hmm. L'Algérie, aujourd'hui, est le plus grand producteur de gaz naturel en Afrique. Mm-hmm. Et l'Algérie aussi est le plus grand exportateur de gaz naturel, et même de LNG, qui a pris mm-hmm. la part, qui a pris le lead cette année du Nigeria. L'Algérie est le troisième plus grand producteur de gaz naturel au sein du GECF. Mm-hmm. Après la Russie et après l'Iran. Oui. L'Algérie est le dixième plus grand producteur de gaz naturel dans le monde. Alors, permettez-moi d'insister sur un point que je vois qui est aussi très important, qui est le pouvoir de la technologie pour renverser les choses. Mm-hmm. Les États-Unis détiennent seulement, je dis bien seulement, 8% des réserves mondiales en matière de gaz naturel. Mais les Américains produisent 1050 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, mm-hmm. qui représente 25% de la production mondiale de gaz naturel, malgré qu'ils ont seulement 8% de réserves. Si on va au GECF, on a la Russie qui a des réserves de 47 TCM, trillion cubic meters, l'Iran qui a 32 et le Qatar qui a 24. Alors, ces trois pays qui sont membres du GECF représentent presque 50%, je dis bien, 50% des réserves mondiales en matière de gaz naturel. Mais en parallèle, ces pays produisent 1040, 1060 milliards de mètres cubes. Alors, elles ont 50% de réserves mondiales, mais ces pays produisent seulement 25% de la production mondiale. Les États-Unis ont 8% de réserves, mais produisent la même quantité, les mêmes quantités produites par ces trois pays. Alors, c'est quoi le rôle de la technologie? Les Américains ont pu développer ce qu'on appelle les méthodes d'extraction de gaz de schiste. Ils ont augmenté ce qu'on appelle horizontal section, la section horizontale. Ils ont développé les méthodes d'extraction et de fracturation hydraulique. Entre 2014 et 2024, ça fait 10 ans, les États-Unis ont pu augmenter leur production en matière de gaz naturel avec 50%. En 2014, les États-Unis produisaient 720 milliards de mètres cubes. Aujourd'hui, ils sont à 1050, 1080, 50%. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pu? Grâce à la technologie, les sociétés américaines, multinationales, alors, ils ont découvert des méthodes, ils ont développé de la technologie, ils ont développé aussi les méthodes pour protéger l'environnement. Je dis bien l'environnement, j'insiste sur ce point-là. Je vais dire une chose. L'Algérie qui détient la troisième plus grande réserve de gaz de schiste dans le monde, après la Chine et l'Argentine. Ça, c'est très important. Les Américains, 80% de leur gaz provient du gaz de schiste. La Chine, 45% de son gaz provient du gaz de schiste. Et entre parenthèses, la Chine produit 230 milliards de mètres cubes. Les Chinois importent un tiers seulement de leurs besoins naturels, parce qu'ils consomment dans les 360 milliards de mètres cubes. L'Argentine, 45% de son gaz naturel provient du gaz de schiste. Et là, on pose la question, pourquoi pas les pays sous-développés ou en voie de développement profitent pas de cette technologie? Parce que cela nécessite une technologie de pointe. La technologie, elle existe. Ou parce que, est-ce que quand on a un sous-sol très riche en gaz naturel, on a besoin de s'orienter vers le gaz de schiste qui est peut-être dangereux pour l'environnement? J'insiste sur ce point-là. Mmh. Les Américains ont pu augmenter leur production de gaz de schiste 50% parce qu'ils respectent l'environnement. Une triple, on part de là. Il y a des développements énormes en matière de traitement de produits
qu'on fait la fracturation hydraulique, c'est des solvants, c'est du sable. Alors il y a des méthodes énormes, des méthodes technologiques maintenant qui permettent de protéger l'environnement. Je crois que le souci de l'environnement, c'est plus un tabou. Aujourd'hui, je parle techniquement, de manière technologique. D'accord. Alors, si je reviens à votre question, si on parle maintenant du GECF, le GECF qui détient 12 membres qui sont full-fledged, qui sont membres permanents, et d'autres 7 observers. Alors le GECF qui représente à peine 70% des réserves mondiales en matière de gaz naturel. Mais commercialise détient seulement 40% de commercialisation du gaz naturel. Alors le grand challenge, le grand défi, c'est comment être, je crois, après les deux guerres, entre 2022 et 2024, les grands défis qu'on a aujourd'hui, je dirais deux ou trois défis, c'est comment contrôler aussi le prix. Parlons d'un cartel, je crois qu'il est très difficile d'avoir une organisation comme le OPEC Plus. Pourquoi ? Parce que le gaz naturel, on le vend avec des contrats moyens à long terme. Si on n'a pas, si le producteur n'assure pas des contrats moyens et à long terme, ils ne peuvent pas aller continuer leur investissement. Alors ça, c'est très important, et ça a été une exigence. Et ça sera l'enjeu. Exactement. Ça sera au cœur des débats lors de ce forum. Les pays membres du forum vont réitérer leur soutien au rôle fondamental des contrats gaziers à long terme. Et je veux dire une chose. Une fois la guerre s'est déclenchée entre l'Ukraine et la Russie, les Européens sont orientés vers l'Algérie, vers le Qatar, vers pas mal de pays producteurs pour avoir plus de gaz naturel. Mmh. D'accord. C'est quoi l'erreur des Européens? Les Asiatiques, ils étaient plus intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils signaient des contrats à long terme avec le Qatar, avec l'Australie, avec même les États-Unis. Alors, une fois la guerre a pris part en Europe, ils étaient un peu à l'abri du problème gazier d'approvisionnement. Alors, les Européens, ils refusent de signer des contrats à long terme. Pour eux, la transition énergétique, moins de consommation, mais sachant que le gaz naturel... Moins de consommation, mais ça coûte plus cher. Exactement, et c'est ça le problème qui se pose aujourd'hui. Et le gaz naturel est une énergie propre à comparer à... Bien sûr, je vous le dis. Le gaz de schiste qui émet 60% moins de CO2 par rapport au charbon. Je vous dis une chose. La chose la plus importante qu'on doit mettre la loupe dans ce sommet-là, je lui dis, c'est que maintenant le charbon représente 35% génération d'électricité dans le monde. Le gaz naturel représente 20%. Alors le grand challenge pour nous, c'est de faire une transition énergétique au sein des énergies fossiles. Mmh. Il faut que le gaz naturel, qui est moins polluant, doit prendre la place du charbon. Ça, c'est une priorité. Alors, si les consommateurs insistent sur la transition énergétique, à partir de ce sommet-là, on leur dit, si vous voulez une transition énergétique, il faut éliminer le charbon, au partiel. Gamal Abina, donc, je reviens aux pays du Sud, notamment, particulièrement les pays africains, qui viennent de découvrir des gisements gaziers, mais qui ne disposent pas de logistique nécessaire, que ce soit pour l'exportation, l'exploration ou même de technologie. Comment pourrait-il assurer cette souveraineté sans pour autant devenir dépendant des grandes puissances? Et est-ce que des pays, par exemple, pionniers en la matière, comme l'Algérie, pourraient jouer un rôle dans ce sens? Déjà, l'Algérie s'exprime très bien sur la question de la volonté affichée depuis les années 70, d'ailleurs, c'est Boumediene qui le disait, du collaboration panafricaine, hein, parce qu'il faut oser le mot, le panafricanisme est important dans cette sémantique. Et donc, ils le font déjà, par exemple, avec l'exploitation du pétrole. La Sonatrach qui exploite le pétrole du Niger, dans le nord du Niger, et la Chine, dans le sud du Niger. Donc, c'est une collaboration qui est intéressante parce qu'on est dans la collaboration sud-sud. Ensuite, la question de savoir comment ils peuvent exploiter. Le problème, c'est qu'il n'y a pas seulement un
un retard technologique qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a aussi l'outil technologique qu'ils ne maîtrisent pas. La fabrication de ces technologies, je parle des moyens d'exploitation, d'extraction, de transformation, de valorisation, comme le GNL, par exemple, le gaz naturel liquéfié. Tout cela est une technologie que l'Algérie maîtrise avec brio. Et elle a su prendre le tournant, d'ailleurs, parce que le GNL est une alternative assez extraordinaire. Effectivement. Comme le Qatar, avec ses, ils ont développé un parc considérable méthanier pour pouvoir transporter ce fameux GNL. Sauf que l'Algérie, alors, en matière de GNL, excusez-moi, hein, mais l'Algérie en matière de GNL, l'Algérie peut effectuer environ 4 rotations par jour vers l'Europe par des méthaniers. Oui, c'est considérable. En plus des gazoducs qu'on connaît déjà, qui sont multiples, il y a les deux qui passent sur l'Espagne, il y a celui qui va en Italie. Il y a une vraie, je pense que l'interaction dans les pays africains, c'est de se développer des gazoducs. Parce qu'il est compliqué. Le projet du gazoduc transsaharien, en provenance du Nigeria aussi. Absolument, et c'est déjà très très en avancé, puisque le Nigeria a compris que ça profiterait au Niger et à l'Algérie, puis comme le Nigeria parle le même langage que l'Algérie, puisqu'ils sont membres de l'OPEP tous les deux, ils sont pas en concurrence, c'est de la complémentarité qui est pas inintéressante. Mais je viens d'entendre une chose qui m'a un petit peu gêné par rapport à la question de l'exploitation de ce fameux gaz de schiste qui a fait du mal au marché international, puisque les Américains se sont trouvés dominants. D'abord, l'exploitation du gaz de schiste, la première problématique, c'est que ça coûte cher. Le coût d'exploitation est très élevé, que ce soit pour le pétrole ou le gaz. Ensuite, les pays africains ne doivent surtout pas aller dans cette direction pour deux raisons. Parce qu'on sait très bien qu'ils vont polluer les nappes phréatiques, ça on le sait parfaitement. Ouais. Parce que c'est beaucoup d'eau, la fracturation, c'est beaucoup d'eau, beaucoup de produits chimiques. Tout cela n'est pas nécessaire. Et puis surtout parce qu'on a du gaz naturel, classique, conventionnel, en abondance. Pourquoi se mettre en concurrence avec les Américains qui sont des exploiteurs et des destructeurs de la nature, qui font croire qu'il y a des technologies qui seraient moins polluantes, mais ce sont, et je le dis aujourd'hui, des menteurs. Il n'y a aucun problème là-dessus. Pour faire de l'argent, l'Amérique ment toujours. Eh bien non, je ne crois pas que cette solution soit adaptée, on n'a pas besoin de cela. On a largement, ça va arriver un jour malheureusement, on va le déplorer plus tard, mais tant qu'on a du gaz conventionnel, on n'a pas besoin d'exploiter le gaz de schiste, on n'a pas besoin de garantir, et d'ailleurs c'est les firmes américaines qui font dans le schiste, que ce soit le pétrole ou le gaz, sont en train de fermer les unes derrière les autres, parce qu'évidemment les coûts d'exploitation sont tellement élevés que lorsqu'il y a un reflux du prix du gaz et du pétrole, et ben ça les impacte, ils ne peuvent plus exploiter et ils sont obligés de déposer le bilan, c'est très bien, et ça permet plus à l'Amérique d'être dominante. Donc tout simplement, je pense qu'il faut penser en projection. Le gaz est une denrée rare dans le monde, qui est surtout, je l'ai dit tout à l'heure, présent dans le Sud. Le gaz est une alternative aux énergies fossiles polluantes, c'en est une, mais moins polluante, on le sait déjà, quasiment peu polluante. Beaucoup de pays ont manifesté, comme l'Allemagne, l'arrêt des centrales nucléaires, ce qui n'est pas forcément la meilleure idée, mais dans tous les cas de figure, pour importer du gaz et éviter l'exploitation du charbon, qui est surexploité aujourd'hui en Allemagne, tout comme en Chine. Et surtout, ça profite aux pays du Sud, s'ils sont capables à la fois, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, d'exploiter leur propre capacité par des relations Sud-Sud, je maintiens ça, j'ai parlé de Petronas tout à l'heure, qui est une compagnie sud du sud de l'Asie, parce que des compagnies comme celle-là, que ce soit la Malaisie, l'Indonésie, la Chine, garantissent non seulement une exploitation à peu près équilibrée avec une relation gagnant-gagnante, et surtout la possibilité de transfert de compétences et technologies que les Occidentaux ne veulent pas faire. Il faut bien savoir que quand l'Occident s'installe au Moyen-Orient ou en Afrique, ils exploitent comme une zone privée qui leur appartient et ils redonnent des royalties microscopiques aux États, tout en bénéficiant à plein non seulement de l'exploitation, de la transformation, de la valorisation et de la revente des produits manufacturés aux pays africains. On appelle ça la dégradation des termes de l'échange. Vous vendez un produit de base, ils vous vendent un produit revalorisé fois 10, fois 100, fois 1000. Vous êtes extrêmement perdant, vous voyez. Donc c'est une question qui se pose à côté. Mais je pense que la relation Sud-Sud est une relation... On se rend compte aujourd'hui, maintenant, il y avait les guerres du pétrole, il y a les guerres du gaz, ça commence à arriver, qu'effectivement, l'arme du gaz, l'arme politique du gaz, est une arme qui doit être utilisée avec parcimonie, avec intelligence, mais surtout une arme qui doit être utilisée pour le développement des pays. Et comme c'était à la remarque, il n'y a pas bien compris ce que je disais, le risque en matière énergétique occidentale, c'est qu'ils n'ont pas d'énergie. Nous, nous avons une énergie abondante, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'énergie, ça veut dire que nous sommes chez nous avec notre énergie, et qu'on peut effectivement développer notre pays grâce à cela, mais on n'est pas sous une situation de risque, on est les possédants, on n'est pas les demandeurs. Eux sont les demandeurs, ne possèdent pas l'exploitation et effectivement se trouvent dans une situation où ils se trouvent en risque. Et par rapport à ça, s'il y a une tension géopolitique avec la Russie, immédiatement leur économie s'effondre. C'est une des raisons pour lesquelles je dis qu'effectivement le risque est chez eux et chez nous on est dans une vraie position de confort, on peut le dire. Professeur Omar Ben Bakhti, justement, donc aujourd'hui, peut-on parler de la nécessité de la complémentarité entre les pays du forum, les pays producteurs de gaz, la nécessité de la complémentarité, pardon, pour sortir de cette hégémonie de certains pays occidentaux? Ah oui, je
partage tout à fait ce point de vue, mais ça va demander des consensus, ça va demander d'avoir de partager les mêmes visions à long terme et de trouver les solutions aux problèmes en suspens. Bah, pour le gaz, effectivement, moi je partage pas aussi la vision sur le gaz de schiste, parce que on n'en est pas là et on a plus besoin d'eau que de gaz en vérité. Oui. Donc je préfère préserver l'eau que de m'attaquer à la fracturation hydraulique, même si les questions de l'environnement, ça c'est du barrage. C'est une question mitigée hein, à travers le monde, mais bon, si on dispose, comme disait Gamal Abina, si on dispose de ressources naturelles, ouais. Naturelles en matière de gaz naturel, pourquoi aller chercher ailleurs? Tout à fait, je partage tout à fait ce point de vue. Et donc, je continue sur ma lancée. Je considère que les pays sud du Sud et la coopération Sud-Sud que nous appelons de nos voeux, celle-ci doit se manifester à travers, un, la recherche de consensus, deux, surtout la capacité de mettre à niveau, je m'excuse de l'expression, mais de mettre à niveau les actions de souveraineté de tous les pays. Nous savons pertinemment qu'en Afrique, tous les pays n'ont pas cette même souveraineté. L'Algérie a été la première en 1964 à développer la CAMEL et les GNL, mais ce n'est pas le cas au Mozambique, ni en Angola, ni en Mauritanie, ni ailleurs. Donc, les actions de souveraineté restent des actions déterminantes. Sauf que l'Occident, avec les capacités qu'il a de mettre en œuvre des régimes politiques à sa botte, ne va pas laisser passer la chose de la manière la plus simple. Et donc l'Algérie a un combat féroce à mener dans le sens d'amener vers elle tous ces pays du Sud pour qu'ils développent davantage de souveraineté sur leurs ressources naturelles. Et ce n'est pas en imitant le comportement des États-Unis, qui sont des destructeurs de l'environnement, comme l'a si bien dit Gamal, et qui n'en ont rien à fiche de l'environnement en ce qui nous concerne, nous, que nous allons réussir une opération quelle qu'elle soit. Donc, de ce point de vue-là, le problème que lorgne les pays qui n'ont pas cette capacité de souveraineté sur leurs ressources naturelles reste lié au prix. Effectivement, les prix sont très volatiles. Le marché spot, les Européens, lorsqu'ils ont décidé de ne pas signer des contrats à long terme, c'est parce qu'ils étaient obnubilés par l'histoire du marché spot sur le gaz, c'est-à-dire acheter le gaz. Il y en a à profusion. Et donc, il était disponible, et donc, autant le payer au prix coûtant plutôt que de s'engager sur des contrats à long terme. Sauf que l'Algérie a imposé à certains pays européens, en particulier à travers les gazoducs transcontinentaux qu'elle a bâtis, elle leur a imposé des marchés à long terme. Maintenant, ils sont bien contents de les avoir, parce qu'effectivement, le marché spot lui-même ne pourra pas longtemps, vu ce qui se passe dans les enjeux géopolitiques maintenant avec la destruction du Nord Stream 2, la guerre en Palestine, la guerre en Ukraine et les autres guerres qui arrivent, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. N'allez pas croire que le monde va vers la stabilité, le monde va vers davantage de déflagrations et il va y avoir de gros conflits qui vont se développer, en particulier subsaharien. Donc à partir de ce moment-là, l'objectif de l'Algérie dans la manifestation du Forum, ce sera d'atteler l'ensemble des pays du Sud vers une vision consensuel, de sorte qu'ils adhèrent à une démarche dans laquelle ils pourront défendre leur souveraineté. S'ils n'adhèrent pas à cette démarche, ce sera difficile. On aura beaucoup de difficultés. Maintenant, ces pays ont aussi des problèmes internes très importants. Je pense à l'Égypte, par exemple. Elle a du gaz, certes, mais elle a aussi une population de plus de 100 millions d'habitants. Elle doit assurer d'abord le confort de sa population. Ce sera pareil pour le Sénégal, ce sera pareil pour la Mauritanie. J'invite ceux qui voyagent, lorsqu'ils prennent un avion, de voir à peu près comment les pays sont illuminés lorsqu'ils sont dans leur avion en Afrique. Oui. L'Algérie est un pays où l'électrification, elle est à 80%, sinon plus. Plus. Partir de ce, il y a d'autres pays où il n'y a pas d'électrification. Le Niger, il n'est pas électrifié. La Mauritanie, pareil. Moi, j'ai travaillé dans ces pays-là, il n'y a pas d'électrification. Il ne faut pas rêver. Donc, ils vont commencer d'abord par assurer, grâce aux bases qu'ils ont découvertes, à leurs ressources naturelles, l'électrification de leur propre pays, de leur propre population. Mais ça va demander aussi des investissements coûteux. Or, ils ne les ont pas. Et ça va demander des technologies qu'ils n'ont pas. Or, ils ne les ont pas. Donc, c'est très compliqué pour un pays comme l'Algérie de mobiliser à terme les personnels ou les États souverains
vers un consensus de sorte qu'ils puissent s'organiser et faire en sorte qu'ils fonctionnent comme l'OPEP, parce que ils ne sont pas dans les mêmes conditions. Monsieur Shoaib Othmane, aujourd'hui, est-ce qu'il est nécessaire d'aboutir à la création d'une OPEP de gaz pour aboutir à des mécanismes de contrôle efficaces sur les prix? Très bien. Permettez-moi d'ouvrir la parenthèse et répondre à M. Abina, qui dit que l'Algérie, on a le conventionnel. On n'a pas beaucoup de conventionnel. Je vous donne les chiffres. On a seulement 4 TCM, 4 trillion cubic meters de conventionnel. On n'a pas beaucoup de gaz naturel conventionnel. La plus grande partie qu'on a, c'est le non conventionnel. On a 20 TCM. On a 5 fois juste plus que le conventionnel. Alors, si on dit, l'Algérie a des contrats à long terme avec l'Espagne, avec l'Italie, avec d'autres partenaires européens. Alors, l'Algérie a été toujours un partenaire fiable, et trusted partner. Alors, on doit toujours répondre à nos contrats. Alors, je vous donne un chiffre. L'Algérie, actuellement, produit 134 milliards mètres cubes de gaz naturel. Ce qui est commercialisé, c'est seulement 103. Mais où vont les 31 milliards mètres cubes? Elles vont à réinjection de l'épuis. C'est pour répondre aux gens, pour leur dire... On utilise 33 milliards de mètres cubes par an juste pour les réinjecter dans les puits et augmenter la pression en tête. Alors, c'est un problème majeur. Je pense qu'on doit réfléchir, pas seulement pour le gaz conventionnel, non conventionnel, mais qu'il y a aussi le tight oil. On doit réfléchir d'une manière à diversifier, bien sûr, exploiter toutes les ressources énergétiques de l'Algérie. Merci pour cette précision. Faute de temps, hein. J'aimerais bien qu'on avance sur cette question, justement, de création d'une OPEP de gaz pour avoir des mécanismes pour le contrôle efficace sur les prix. Si on parle, pour le moment, c'est très difficile, d'accord. Mais si on aboutit à un compromis, on doit parler, les contrats existent. On ne peut pas changer les contrats 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce qu'on peut agir sur le spot. Parce que il y a des quotas qui sont vendus contractuellement, soit pipe, soit GNL, mais il y a d'autres quantités ou volumes qui sont vendus par spot. Alors je pense au sein de ce forum, on doit discuter les quotas du spot, parce qu'ils appellent, ils disent, voilà, envoyez-nous 3 navires, 4 navires, des quantités. Alors on peut discuter ou contrôler les prix, soit les quantités du spot, parce que c'est les spots, c'est grâce aux spots que les Américains ont pu envoyer le marché européen. Je vous rappelle que les États-Unis maintenant est le premier exportateur de gaz naturel de le monde, premier exportateur de GNL vers l'Union européenne, qui a pris la part du Qatar du marché, de l'Australie. Maintenant, les Américains sont les premiers. Ils approvisionnent les Américains, les Européens importent 42% de leur gaz naturel à partir des États-Unis. Alors, de ce point-là, j'insiste sur le spot. Pourquoi le spot? Parce que les autres, on a des contrats, sauf pour les nouveaux contrats, on peut discuter quelle quantité, mais c'est très difficile de fixer le prix. J'imagine on doit discuter beaucoup plus sur les quantités spot. Et dans ce cas, permettez-moi d'insister sur un autre point. Le Qatar, je vous dis pourquoi j'insiste sur ce point. Le Qatar aujourd'hui produit 77 millions de tonnes de GNL. Ça fait 2 jours à la déclarer. Le Qatar, qu'il va augmenter sa production de GNL avec 85% d'ici 2030. C'est énorme. Alors, ils vont presque doubler la quantité de GNL produite par le Qatar. L'Arabie Saoudite, avant-hier, ils ont estimé les estimations des réserves dans un champ en Arabie Saoudite, des réserves de 16,2 TCM, plus 4 fois les réserves de l'Algérie. Pour voir le rôle du gaz naturel sur la scène internationale, mais dans ces conditions-là, l'Algérie, on n'a pas beaucoup de réserves naturelles. Il faut être, j'insiste sur ce point, il faut réfléchir d'une manière non conventionnelle et pas seulement conventionnelle. Si on parle des États-Unis qui produisent 80% du schiste, alors qu'est-ce qu'on dit alors des Chinois qui produisent 45% de leur gaz à partir du schiste? L'Argentine, 55% du schiste. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas d'environnement? Est-ce qu'ils n'ont pas de nappe phréatique? C'est ça la question. Gamal Abina, alors, dans un tel contexte,
L'énergie reste donc un enjeu majeur de souveraineté et d'indépendance pour tous les États. Pensez-vous que l'économie mondiale va rester dépendante des hydrocarbures, notamment du gaz? Et est-ce que cela, selon vous, va engendrer à l'avenir d'autres conflits comme c'est en train de se passer maintenant? Vous savez, j'ai eu la chance d'avoir une soirée avant la mort de Monsieur de Margerie, qui était l'ancien DG de Total. Christophe de Margerie, donc l'homme à la moustache qu'on connaissait pour son franc-parler, et il avait eu l'honnêteté de dire qu'il ne croyait pas une seconde à la transition énergétique telle qu'on l'avait présentée, à l'abandon du gaz et du pétrole, surtout du pétrole, c'est un pétrolier, et il disait que le pétrole, on en a au moins pour 40 ans. Donc déjà, on explique le rapport, c'est-à-dire que le besoin en pétrole et aux produits parapétroliers transformés, plastiques et autres, la plasturgie, l'énergie pour transporter les avions, par exemple, tout ça, c'est essentiellement du pétrole. Le gaz est l'alternative au pétrole pour certains secteurs de l'économie, et le gaz est une nécessité. Mais j'ai envie de dire simplement, alors je parle même pas du gaz de schiste, parce que ça c'est juste une manipulation américaine dont on n'a pas besoin, je répète, nous avons une énergie abondante. Alors on parle des réserves prouvées de ce qu'on exploite, c'est pas tout à fait la même chose. Effectivement, les réserves prouvées sont considérables au Moyen-Orient, en Algérie elles ne sont pas moins importantes, puisqu'on n'a pas encore tout. On n'a pas pu vérifier tout ce qui se passe dans le désert. Il y a beaucoup de zones qui n'ont pas été exploitées. Il y a beaucoup de tronçons comme ça qui sont à l'abandon, qui vont être exploités, tant mieux. Mais ce qui est certain, c'est que il y a une énergie alternative. Vous parliez de l'énergie. L'énergie que nous avons, nous, l'Algérie, le pays où il y a 3 000 heures d'ensoleillement, c'est une énergie abondante, illimitée, qui ne coûte quasiment rien sauf en investissement au démarrage, et dont la rentabilité est absolue. C'est l'énergie solaire. Je pense que on doit s'inscrire dans une transition énergétique pour l'Algérie qui migrerait avec nos moyens considérables qu'on a aujourd'hui, nos réserves considérables d'argent, nos réserves de gaz et de pétrole qui vont finalement arriver par atteindre leur peak oil et par le peak gas, je vais l'appeler comme ça, gaz. Eh bien, nous avons la possibilité de passer à l'énergie alternative qui est l'énergie la plus propre au monde. Cette fameuse énergie solaire. Je pense que le monde aujourd'hui va continuer à surfer sur malheureusement les énergies fossiles, mais qu'à terme, on finira par aller vers une transition qui sera douce et qui profitera encore une fois au pays du Sud, puisque nous sommes les plus exposés au soleil. Mais d'expliquer que la transition passerait par du pétrole classique, conventionnel, en passant par le schiste, en détruisant les nappes phréatiques, et je maintiens, il y a la destruction, parce que ces gens qui exploitent dans le Sud, de l'Amérique du Sud, par exemple, c'est catastrophique, on le sait aujourd'hui. Quant aux États-Unis, on sait très bien qu'ils ne respectent pas la nature, ils ne l'ont jamais respecté, ils ne respectent même pas les conventions internationales des COP. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'Algérie doit se projeter comme étant un pays modèle et doit montrer qu'elle est capable de produire de l'énergie propre, de l'énergie illimitée et qui profiterait non seulement au pays, parce qu'on a des besoins, ça a été dit tout à l'heure, de production interne, on a besoin d'alimenter notre population, effectivement une grande partie du gaz qui est exploité va dans la consommation interne, mais on a besoin d'exporter. Donc je pense que l'énergie du futur sera l'énergie verte. Il y a plusieurs énergies qui sont proposées, hein, on parle beaucoup de ça, mais surtout l'énergie est évidemment éolienne, mais surtout solaire, c'est le plus évident. Donc il y aura sans doute des rapprochements de la part des compagnies pétrolières et gazières surtout, ce fameux OPEP du gaz va finir par arriver, puisqu'il y a une impulsion qui est faite par l'Algérie aussi, je le rappelle, mais on va certainement commencer à réfléchir à ces fameuses énergies alternatives, qui sont les énergies limitées, comme je le disais, et qui permettraient effectivement d'avoir une souveraineté totale sur notre propre production énergétique et sur l'exportation de cette énergie. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'Algérie sera en mesure, peut-être avec une collaboration Sud-Sud, de développer un parc énergétique alternatif pour faire en sorte de montrer qu'elle est un pays modèle, comme elle était en 71 pour la nationalisation, phare dans le développement d'une énergie qui nous permettrait de devenir totalement indépendant et certainement pas de se mettre en risque d'une fin d'exploitation de champs pétroliers ou gaziers qui vont de toute façon arriver. On le sait très bien, c'est une énergie finie. Au-delà de ça, on deviendra un pays pauvre. Donc pour éviter cela, il faudrait peut-être envisager cette alternative qui me paraît la plus sérieuse. Merci. Bon, nous n'allons pas trop nous attarder sur cette question de gaz non conventionnel. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Professeur Omar Ben Bakhti, aujourd'hui, qu'attendons-nous justement de ce 7e sommet des pays, du Forum des pays exportateurs de gaz à Alger, quant à cette question de sécurité énergétique et de souveraineté des États? Très bonne question. Je pense personnellement que l'effort que va devoir développer un pays comme l'Algérie, ce sera effectivement de rassembler davantage autour de la question de la souveraineté. La souveraineté afin de pouvoir stabiliser les prix et avoir une vision à long terme. Pour avoir cette vision à long terme, il y a lieu de dégager un consensus, mais le consensus ne sera pas aussi aisé à trouver. Je fais confiance à la capacité de médiation a toujours développé l'Algérie, que ce soit à l'OPEP ou que ce soit dans les positions qui étaient les siennes,
de faire en sorte que les pays adhèrent un petit peu à cette démarche. Maintenant, devenir un modèle comme le souhaite notre ami Kemal Abina, ce serait l'idéal. Toujours est-il que l'énergie solaire est effectivement très abondante dans les pays du Sud, et c'est vers cela qu'il va falloir se diriger, mais nous ne serons plus de ce monde probablement pour en parler. Sauf que l'Algérie peut d'ores et déjà commencer à... Elle a essayé avec les Allemands, vous vous souvenez du projet Desertec, mais ce n'est pas encore suffisant parce qu'il y a d'autres enjeux que développent les puissances occidentales qu'ils ne voient pas d'un très bon œil. Justement, les pays du Sud utilisaient cette énergie propre, illimitée et qui ne coûte rien, sinon au démarrage pour l'investissement énorme que ça va demander. Mais lorsque l'énergie solaire redeviendra au goût du jour, parce que les énergies fossiles sont effectivement appelées à se finir un jour, elles font partie, ça fait partie de leur mode d'existence, donc l'énergie solaire sera déterminante. Et donc nous sommes très 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 bien placés pour en parler et pour pouvoir justement déclencher une vision nouvelle. Mais ça, c'est un projet, je ne dirais pas, il est pas utopique, mais il est idéaliste. Dans le contexte actuel, vu le forum qui se tient à Alger, la seule démarche que peut développer l'Algérie, c'est de faire valoir son expérience et de dire à ces gens, soyez beaucoup plus unis et développez davantage de souveraineté sur les ressources naturelles qui sont les vôtres. Monsieur Chouaib Bouatamin, je vous laisse 30 secondes pour la fin. Donc, unifier les efforts et arriver à une convergence des points de vue pour assurer cette souveraineté des États sur leurs ressources. Assurer une souveraineté, surtout sur le gaz naturel, je dois insister sur une chose qui est très importante. Mmh. On doit savoir que le gaz naturel n'est pas seulement une source d'énergie. Mmh. Le gaz naturel est une source de pétrochimie. À partir de la pétrochimie, on obtient tout ce qu'on est autour de nous. Mmh. On obtient de l'urée. À partir de là, on fabrique les engrais. Et on a déjà exporté des engrais vers les Africains. C'est ça le rôle du gaz naturel. Si on parle des énergies renouvelables, qu'est-ce qu'on obtient à partir des énergies renouvelables? On obtient de l'électricité, mais on n'obtient pas de l'urée, on n'obtient pas de la pétrochimie. Merci beaucoup. Je pense, l'Algérie va jouer un rôle très très important dans ce forum-là, et le rôle et le gaz naturel doit prendre sa place en tant que source d'énergie, source de pétrochimie ou source d'engrais. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est la fin du temps qui nous est imparti. C'était votre émission spéciale consacrée à la souveraineté sur les ressources naturelles et la sécurité énergétique. Je rappelle, j'avais en ma compagnie monsieur Chouaib Bouatamin, qui est consultant en questions énergétiques. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Gamal Abina, journaliste et spécialiste en questions géopolitiques, était avec nous à partir de Paris. Merci Gamal. Merci beaucoup. Nous avions le professeur Omar Ben Barthia, analyste politique et professeur à l'université d'Orange. Je vous remercie. Merci. Merci. Donc, c'est la fin de notre émission spéciale. C'était Chakib Ben Zawi à l'animation, Hakim Ben Moussa à la réalisation. L'information continue sur la chaîne 3. Au revoir.